Salut à tous, c'est Milo Kimiko, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Tout savoir sur. Étant donné que c'est le dernier épisode de cette série, je peux vous proposer de me dire dans les commentaires si une série vous ferait plaisir. Je vais présenter Starla Sky et Zack Cassidy. Forcément, cette vidéo sera un peu plus courte que les autres, parce que ce sont des personnages qui ne sont pas forcément connus sur MSP, et donc il n'y a pas forcément de choses à dire. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à commenter, à faire ce que tu veux. Et moi, je te souhaite une très bonne vidéo. Nous allons commencer par Starla Sky. Tout d'abord, le bounty de Starla Sky s'appelle Chimère. Il est level 2 et sa couleur est l'or. Starla Sky, sa couleur préférée est le violet et son job, c'est qu'elle est actrice. C'est donc également un personnage qui est principal sur Movistar Planet. Elle est également utilisée dans la carrière Movistar, les premières carrières vous savez que vous devez remplir quand vous inscrivez à Movistar Planet. Starla a été utilisée en 2014 pour l'événement d'Halloween. Starla est aussi le personnage donc de la carrière cinéma. Elle a également été utilisée pour l'icône de créer et vote, sûr maintenant qu'elle a été remplacée. Elle est également représentée sur la couverture du kit make-up MSP Mark Wins avec sa bounie. Elle est représentée sur l'article Movistar Planet MSP Bay, donc elle est représentée sur une couverture de Lee. Ce qui est troublant, c'est que Starla a le même nom de famille que le personnage Zack Sky, mais par contre on ne sait pas si les deux sont réellement liés. À présent, je vais vous présenter Zack Cassidy. Le bounty de Zack s'appelle Baz, il est level 2, il aime les carottes, il aime le orange. Zack aime le noir et le vert, il adore les sushis également, il est basketteur et son style c'est plutôt être sportif. Bien sûr, Zack est également un personnage très important sur Movistar Planet parce qu'il apparaît un peu partout. Bien sûr, Zack est représenté dans les animations masculines de Movistar Planet. Il y a des gens qui font pas vraiment attention, c'est normal parce que moi non plus. Avant, il était représenté dans le message de niveau quand quelqu'un passait un niveau et que le système se mettait à jour. Zack est également représenté dans les achats de packs VIP. Zack est représenté dans l'arrière-plan du thème Beef Zone et j'avais vu aussi qu'il était représenté sur un lit. Donc là, par contre, j'ai pas d'informations sur ce truc là, mais je pense que ça doit être un goodies ou alors c'est quelque chose qui assure MSP. Bref, j'en ai terminé pour Starla et Zack. J'espère que cette série vous aura plu, vous aura appris des choses sur certains personnages. Si vous voulez d'autres séries, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je prendrai à peu près toutes les idées pour ensuite faire un tri et faire une sélection d'idées. Alors en ce moment, vous allez vous dire, mais Melo Kimiko ne fait pas de live et ne fait pas beaucoup de vidéos. C'est normal, en ce moment je suis chez mon copain et j'ai envie de profiter un petit peu. J'ai pas envie de forcément de faire de vidéos ou de live. Donc là voilà, je me suis dit, je vais quand même sortir une vidéo parce que ça manque quand même. Donc voilà. Pour vous faire patienter que je rentre à la maison et que je vous refasse des lives tous les soirs. Donc sur ce, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous!